Salut les amis, c'est Serra. Salut les loulous, c'est Kono. Et l'œuf vient d'éclore. Et voilà, nous avons un luchador. Un gros calibré. Ouais. Écoute, pourquoi pas, c'est pas... Ça peut être quelque chose d'intéressant. Hein. Oh, il est trop beau comme ça. Ah ouais, dans cette couleur, il est vraiment trop beau. Oh, il est magnifique comme ça. C'est pas un mauvais Pokémon, c'est pas exceptionnel. Putain, il est adamant en plus. Mais il est très rapide, il est assez puissant. Donc ça peut donner quelque chose. Ça peut être intéressant, hein, avec en ayant un bon Pokémon avec lui en fusion, ça peut donner quelque chose de bien. Hein. Ça peut être intéressant, ouais. On peut avoir tu quelque chose. Tu penses qu'avec Elecable, ça peut donner quelque chose? Bah vas-y. Je le fais en total pif là, hein. Ouais. Je sais pas, hein. Je sais vas-y. Pas du tout. Il a pas l'air d'avoir de custom. Ouais, il a pas l'air d'avoir. Là, je vois pas de custom. Hein. Ah, ça a l'air customé en vert, non? Non. Ouais, j'ai l'impression que blanc, ça veut dire que c'est le générateur. C'est ça. Et vert, c'est et le vert, custom. Et vert, c'est le custom, moi, je pense. Je pense que c'est ça. Ouh. Oh, ça a l'air stylé. Waouh. Eh ben, c'est super stylé. Oh, il est stylé. Oh, il est trop classe. Oh, il est trop classe. Oh, il est trop classe. Eh bien, il est très stylé. Ah, il est électrique métal, du coup. Électrique acier, ouais. Ça tombe bien, on a ni électrique ni de l'acier. Eh ben, c'est parfait. Putain, il est stylé. Eh, total impro, total fusion improvisée, là. Nickel. Donc là, on va aller voir Elector, du coup. Elector, ouais. Oh, c'était une grande avec du courant. Oui, je sais. Oh, excellent. Voilà, une Magnet Stone, c'est un nouvel item. C'est ça. Qui a pour but de faire évoluer Magneton et Tarinor. D'accord. Ça, c'est bien, ça. Chaque fois, je le vois. C'est parti, on va aller chercher notre ami Elector. Voir qui c'est à la place d'Elector. Parce que faut savoir que Articodin, c'était. C'était du coup le Régigigas. Oh, l'Ornithogwek. Ah. Je vais pas en capturer un. Il survivra pas, t'as vu le level que t'as. Il a survécu. Parce que la dernière fois tu voulais en capturer, alors c'est pour ça. Je te demande si tu voulais en capturer. Moi. On a le Pac-Man. On a Pac-Man. On a Pac-Man. Oh, virer la tête volante. Oh, il est mignon, le Teddy Ursa Funessire. Tu peux pas échapper. Pac-Man, il avait envie de te manger. Moi, je vois ça.
Niam 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 niam. Et si t'arrives? Je fuis Pac-Man. Ah bah il est là Pac-Man, le vrai, le seul, l'unique. Le vrai, le seul, l'unique Pac-Man. Ouais, il est moche. Oh, c'est Voltali et Elle est trop belle celle-là. Il est trop classe. Le Voltali électrode, ça c'est génial. Je lui donne une attaque acier aussi. Ouais. Mais j'ai pas de CT qui donne l'attaque acier. Non. Eh bien, tant pis. Écoute, hein. Oh, très joli. Très, très joli. Côté rose et bleu comme ça, c'est magnifique. Très, très beau. Ouais, jolie fusion. J'avoue, la fusion est magnifique. Un Roselia et Nymphaï. Ouais. Franchement, très très belle. Et elle va être difficile à attraper, Dynamic. Ouais, le but, c'est pas que je claque toutes mes fusion balls avant d'arriver au boss. Bah, c'est ça. Non, mais c'est vrai, tant qu'il y a le terrain, je peux pas infliger de statut. À voir avec Roserade, hein, ce que ça donne. Ouais. T'en as des batteries là. Mmh. Oh, il est tout blanc. Un insécateur avec un Megalos. Avec Megavolt. Ou Megavolt, pardon. De toute façon, j'aime pas. Ouais, mais ça va, je trouve. Non, c'était pas trop. Voilà. Ah. J'en ai pas assez. J'ai pas été prendre celle qui était là. Mais tu vois, même le clic-clic avec le les câbles, enfin, c'est pas mal, quoi. Le pauvre. Le pauvre, il vient de ses têtes. Visiblement, il nous en manque. T'as tout été les chercher, non? Bah oui. C'est bizarre ça. Ah, il y en a peut-être autour de l'Electek. Ah oui. C'est peut-être pas trois Pokémon sauvages, tu vois. C'est bien possible. T'en as peut-être un qui a une batterie. Bah voilà. Évidemment, le dernier que j'examine. Bah oui, mais c'est toujours comme ça. Sinon, non, c'est pas drôle. C'est toujours comme ça, non? Non, il t'en manque. Il faut que tu le mettes dedans. Le mettre là. Alors, qui es-tu, Electron? Groudon. Groudon et Torterra. Oh, il va être heureux. Oh là.
va être tellement au jeu. Groudon Torterra. Oh, il a synthèse. Ah. Oh, c'est-à-dire qu'il va être chiant. Cet enfer. C'est ça. Il va être chaud patate. Il a carrément la master quoi. Ah là ça va être un enfer. Wow. C'est quoi la différence? Ah les yeux. Les yeux, je préfère comme ça. Je préfère les yeux de Tortara. Mais bon, ça allait être un enfer. Déjà, le truc, il a synthèse, c'est-à-dire qu'il peut se régénérer la moitié de sa vie. Il a méga sensu et il a vampigraine. Il a tout pour se régénérer sa vie en permanence. Donc voilà, écoutez, hein, un petit Groudon dans la place. Hein, ça reste Groudon. Le Serac, il est heureux, hein, écoutez. Hein. Et oui. Le Serac, il est content. Il a son petit Groudon. Et ouais. Il va pouvoir s'amuser à faire de belles fusions de Groudon. Qui sait, il va peut-être atterrir chez nous dans notre team. Tu crois? Il est juste dans mon top 3 de mes Pokémon favoris. Je sais. Avec qui vas-tu le fusionner? Et encore, c'est bien parce qu'il y a Tyranidur et Pyroli au-dessus. Quoi. Avec qui vas-tu le fusionner? Je sais pas, t'es pas ouf. Je sais pas, je le trouve bizarre. Bon, ça va, il a la patte en avant. Alors non, je sais pas encore avec qui je vais fusionner. Tu cherches quoi? Ah, tu veux changer le sprite. Là, je trouve mieux par exemple. Ouais, il est pas mal, ouais. Qui va même jusqu'à changer le sprite, sérieux. Ah, il est pas mal comme ça, il tape sur le sol. J'aime bien celui-là aussi. Ouais, il est bien. Par contre, avec qui je vais fusionner Groudon, ça j'en ai aucune idée. Ah, tu regarderas ces fusions custom sinon, ouais, pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Je regarderai ce qu'il y a. Et je vais grinder aussi oui. Suite à cet épisode. En attendant la prochaine session, du coup. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces bleus, commentez, partagez, abonnez-vous, rejoignez-nous. Nous avons besoin de vous. Et on se retrouve au prochain épisode pour la reine de Jadiel. C'est ça. Ciao.